que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo haul retour de DM parce que j'ai dit sur Instagram que j'allais à DM et vous êtes deux ou trois. Je vais pas mentir, vous étiez pas des milliers, mais deux ou trois à m'avoir demandé de vous faire un retour de course de ce qu'on trouve à DM. Moi, j'achète quasiment pas d'alimentation parce que je comprends pas trop ce que c'est. Cependant, je partage du coup l'information. Apparemment, avec Google Traduction, avec l'application, on peut juste prendre une photo et ça nous donne la traduction. Donc je pense que ça va changer ma vie au niveau des courses en Allemagne. Donc j'ai hâte de tester. Il va falloir que je retourne très prochainement là-bas pour pouvoir essayer. Je suis désolée pour la luminosité, il est 19h10. On est au mois d'août, mais c'est pas trop l'été. Donc voilà. Du coup, je vous mettrai les prix, bien sûr, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. J'ai gardé le petit ticket. Et en tout cas, ce que je peux vous dire déjà, avant toute chose, c'est que pour tout ce que j'ai pris, j'en ai eu pour 60€. Donc dans un premier temps, j'ai pris des petits bacs comme ça pour faire des muffins. Donc c'est la recette de muffins de Alice que je veux refaire. Elle a sorti un e-book que j'ai acheté et j'aimerais faire sa recette de muffins. Cependant, elle disait qu'elle utilisait des moules tulipes en papier que je n'arrive pas à trouver ailleurs que sur internet. Donc je vais essayer avec ça, je vais lui demander si ça peut faire l'affaire. D'ailleurs, je vais lui demander tout de suite. Coucou Alice, j'espère que tu vas bien. Je viens de t'envoyer une photo de bac, enfin il y a écrit bac, mais c'est pas bac du tout. Des petits pots pour faire des muffins. J'arrive pas à trouver les trucs de tulipes là, comme tu as préconisé dans ton e-book. Et comme je voulais faire les muffins, j'ai acheté ça. Est-ce que tu penses que je peux les faire dedans? Voilà, je te remercie avant de faire une catastrophe parce que tu connais mon niveau en cuisine. Merci. Bon, nous verrons bien. En tout cas, j'ai acheté ça dans le but de faire les muffins d'Alix. Ensuite, j'ai acheté deux petits pots à brosse à dents, à dentifrice, parce qu'on n'en a plus. Donc, j'ai acheté les moins chers qu'il y avait. C'était 95 centimes la pièce. Alors, au début, il y en avait un rose que je voulais prendre, mais il avait un vieux motif tout moche. Donc, du coup, moi, je me suis pris le blanc et j'ai pris le bleu pour Antoine pour mettre nos dentifrices respectifs parce qu'on n'utilise pas les mêmes choses, en fait. Et du coup, ça fait beaucoup et à chaque fois étalé. Même si on a une brosse à dents électrique, et bah, du coup, c'est pour mettre nos petits trucs. Voilà, chacun son petit pot et les moutons sont bien gardés. J'ai acheté une petite brosse à dents comme ça pour brosser mes gouttières. Donc c'est la marque Dontodent, c'est la marque de DM je crois. Et elle m'a coûté 70 centimes et évidemment elle est rose. J'ai pris également des éponges, donc c'est un lot de deux et c'était 95 centimes je crois. Je viens de regarder le prix, j'ai déjà oublié. Oui, 95 centimes les deux éponges. Sur mon étendoir à linge, je ne sais pas, les pinces à linge disparaissent. J'avais un panier aussi avec plein de pinces à linge qui a disparu également. Donc j'en ai racheté, ça m'a coûté 1,75€. Donc voilà, il y en a quand même pas mal. Il y a des verts, des bleus et des roses et ça me suffira amplement. J'ai refait mon plan de dentifrice. Je prends les Elmex parce que je les aime bien. Je trouve qu'ils agressent pas trop la bouche. Avant, je prenais un peu n'importe quoi. Et en fait, quand j'ai eu mon kit pour les dents, j'ai eu ce dentifrice-là et je l'aime beaucoup trop. Et en fait, je le rachète. En France, il coûte à peu près 4€ le tube. Et en Allemagne, je le paye 2,75€ le tube. Donc, bah, autant vous dire que j'ai fait le plan. J'en ai acheté 4. J'en ai 3 à la maison, un que je laisse au travail. Et voilà, comme ça, j'ai le stock pour un petit moment. Les coiffeurs en PLS, j'ai acheté du shampoing de la marque DM. Hein. Moi, j'utilise ça. Et en fait, la semaine prochaine, je vais chez le coiffeur pour refaire mon balayage blond. Et du coup, j'ai pris un shampoing, vous savez, silver, comme ça, qui neutralise le jaune. Donc, j'en ai pris deux et c'est 1,45€ le shampoing. Moi, actuellement, j'utilise ce shampoing que j'aime beaucoup, qui coûte également 1,45€. Donc, j'ai pris celui-ci. Je l'ai repris pour cette semaine et j'utilise aussi en alternance avec celui-là. Donc, voilà, moi, j'utilise ces shampoings-là. Ils vont très bien. Mes cheveux sont pas trop pourris. Et de temps en temps, j'utilise un soin L'Oréal que ma soeur m'a préconisé. Donc voilà, 1,45€ pièce le shampoing. J'ai évidemment craqué sur du maquillage comme à chaque fois. J'ai pris du coup un primer de la marque Essence pour le mascara. Donc c'est celui-ci. J'adore la couleur du tube. Et donc celui-là, il m'a coûté 2,75€. Et j'ai pris un mascara qui est une nouveauté. C'était en tête de gondole dans le rayon Essence, qui est le Double Trouble. Donc il y a le rose qui est classique et le tube, le capuchon vieux et le capuchon bleu qui est le waterproof. Donc j'ai préféré prendre le waterproof.
Donc j'ai préféré prendre le waterproof parce que vous savez que j'oublie très souvent de me démaquiller quand je vais à la piscine. Donc voilà, j'ai pris celui-là et il coûtait 3,75€, donc je me suis ruinée. J'ai également refait un petit plan de gel lavant pour les mains qu'on met sur l'évier et sur le lavabo de la salle de bain. Donc j'ai pris celui-là, mais je l'ai pris purement parce que le design était trop mignon. Regardez-moi ça, comme c'est choupi, c'est en licorne. C'est trop beau et c'est pour ça que j'en ai pris deux. Et le lave-main, c'est 75 centimes l'unité. Je vais le sentir parce qu'avec le masque, j'ai pas osé le dégoupiller et sortir mon nez. Donc ça va, ça pue pas. Et je me suis dit qu'avec 75 centimes, je prenais pas un très grand risque. Et j'ai pris également deux lave-mains, donc un sensitif, j'aime beaucoup l'odeur, et un à l'amande et à la vanille, qui était à 65 centimes pièce. Pareil, c'est toujours la marque DM Balea, que j'aime beaucoup. J'ai repris également ma crème de jour, c'est la crème que je mets tout le temps, la Nivea Soft. J'ai repris deux tubes parce que j'en mets un dans ma salle de bain et un qui doit toujours être également dans mon sac de sport. À chaque fois, moi je prends par deux parce que bah, du coup, à chaque fois il m'en faut partout. Même si le shampoing est plus dans mon sac de sport parce que je me lave plus les cheveux à la piscine qu'à la maison finalement. Mais du coup j'en ai racheté deux et pour ceux qui me demandent ma routine peau, bah franchement c'est ça et c'est tout. J'estime que le moins possible sur la tête, c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Après voilà, on n'est pas tous logés à la même enseigne, moi j'ai jamais eu de problème de peau, voilà, on peut pas avoir tous les problèmes, j'ai pas eu celui-là. Après il y en a qui ont de l'acné ou des choses comme ça, moi j'ai jamais été sujette à ce type de soucis. J'ai pris également pour Antoine des pastilles pour nettoyer la cafetière. J'ai pris la marque Dr Beckman, je sais pas si ça ira. J'ai pris un petit peu au hasard parce que bah, pareil je comprenais rien. Maintenant que j'ai l'application, bah, je vais en fait regarder. Et donc ça c'était 2,95€, je sais plus si je vous l'avais dit. J'ai ensuite pris ma lessive, donc là Ariel, il y a bah, ils disent 25 lavages, il y a 1 litre 375 et ça c'est 5,75€. Voilà. Donc franchement c'est pas cher par rapport à la France. Et j'achète ça et je combine avec le Lénore, comme ça le violet qui sent trop bon. Franchement, mais alors celui-là c'est une tuerie. Et je cherche le prix. Je mets plus de temps à chercher les prix qu'à faire le lavage. Le gros bidon comme ça de 950 ml, il est à 2,25€. Donc voilà, pour 7€, j'ai l'adoucissant et la lessive. Ah oui, j'ai pris ça, j'ai pas dit Antoine pour qu'on essaye. En fait, je cherche. Le nom du truc et puis je cherche sur le ticket parce que sinon comme les prix sont tous pas chers, c'est compliqué de faire le distinguo. Ah voilà, elle est là. Donc j'ai acheté en fait, je pense que c'est ça, hein, faut, je vais vérifier, que c'est pour faire du pain comme vous avez sur l'image, voilà. Donc on va essayer, c'est 3,95€, si déjà ça peut vous donner un ordre d'idée. Et sur le côté on a les étapes à suivre pour faire son pain. Donc on va essayer, Antoine m'avait parlé cette semaine d'essayer de faire notre pain. Donc j'ai pris ça, je sais pas trop ce que c'est, je regarderai. C'est bio et c'est vegan apparemment. Et ça s'appelle Vital Brot, donc brot je sais que c'est le pain. Donc jusqu'ici tout va bien, tout est sous contrôle, on verra bien pour la suite. Hein. 3,95€, je sais plus si je vous ai dit le prix, je crois que oui. Alors pareil, Zitron, nanana. Ah je l'ai trouvé tout de suite celui-là. J'ai pris un nettoyant, vous savez, pour comme du Harpic en fait, mais pareil, de la marque DM, de la marque Denkmit, qui est la marque de nettoyant ménager chez DM. Donc c'est senteur citron et le bidon de 750 ml, c'est 65 centimes. Donc voilà, moi j'adore tout ce qui est senteur citron, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai aussi acheté du papier toilette, donc il y a tout ça. Qui a coûté 2,35€ et j'ai acheté 4 rouleaux de sopalin qui m'ont coûté 1,95€. En plus c'est un petit design avec des feuilles trop mignon le PQ. On est content. Donc voilà pour ce petit haul retour de course de chez DM. Je suis désolée aussi pour ma voix parce que depuis ce matin, cette nuit je suis un petit peu malade. Mais tout va bien. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà été chez DM ou si vous aimeriez y aller. Si vous avez des enseignes un peu comme ça près de chez vous. Sachez en tout cas que si vous venez à Strasbourg ou alentour, vous avez le tram de Strasbourg qui vous emmène directement en Allemagne. Donc il est tout à fait possible pour vous d'aller à DM facilement quand vous venez dans la région. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! It's been a day
Stressing out like crazy, just wanna be lazy with my girls.